Hey, salut à tous et à tous, c'est Ekar et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est là pour faire plusieurs défis. Alors techniquement on peut faire 4 défis en un, mais moi je vais plus vous montrer du coup comment avoir des nanites extraterrestres, d'accord, pour obtenir du coup de l'expérience de gravité, ok? Donc les potos, le défi est à 30 000 du coup d'XP, mais on peut aussi faire du coup voyager dans une soucoupe, enlever des gens avec le rayon tracteur d'une soucoupe, et on peut faire aussi infliger des dégâts près d'une soucoupe aspiratrice. On peut faire les 4 en une seule game en fait, parce que bah tout va être regroupé au même endroit. Donc je vais vous montrer tout ça pour réaliser les défis et je referai sûrement une vidéo pour expliquer un peu mieux chacun des défis, ok? Alors du coup let's go, je vais montrer l'emplacement exact pour trouver des nanites extraterrestres et du coup réaliser le défi. En tout cas les potos, n'hésitez pas avant toute chose à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube et du coup les gars à mettre le code créateur Bokuni dans la boutique. Les gars voilà, dites-vous que en gros on vous a permis de réaliser un petit défi, donc si vous pouvez nous remercier avec un petit like, un abonnement ou du coup mettre le code créateur, ça nous ferait extrêmement plaisir. Et ça fait chaud au cœur les gars. Avant toute chose aussi les gars, n'oubliez pas que sur le Discord qu'il y a dans la description, vous pouvez actuellement gagner 3 sacs du coup Bernard. Donc voilà les gars, c'est le petit sac à dos Bernard l'ermite qu'il y a dans le dos et tout, il est trop mignon. Il suffit d'aller sur le Discord, du coup c'est quelque chose qui n'a même pas besoin d'être téléchargé. Vous avez juste un lien à cliquer et c'est fini les gars. Vous allez dans l'onglet Giveaway 4 juste ici et il faudra être abonné à la chaîne de Exo Trapper et du coup d'avoir cliqué également sur la petite icône qu'il y a en bas, d'accord. Vous avez juste à cliquer sur le petit emoji fait et c'est fini. Voilà. Alors les gars, c'est parfait parce que alors les potos, là je suis tombé sur une game parfaite parce que il va falloir avoir une espèce de grosse soucoupe à Believer Beach. C'est très important pour mon défi en tout cas. Mais là on a du coup enlevé un adversaire avec le rayon tracteur d'une soucoupe. Donc il y a des soucoupes à Believer Beach. Et du coup les gars, on a aussi du coup des nanites extraterrestres. Et va tout simplement va falloir vous faire enlever par le vaisseau et on va trouver du coup des nanites à l'intérieur. Donc infliger des dégâts près d'une soucoupe aspirante, bah du coup si à Believer Beach il y a une soucoupe aspirante, bah c'est parfait. Et voyager dans une soucoupe, vu qu'il y a des soucoupes à côté de Believer, on est bon. On va pouvoir faire 4 défis en 1 grâce. Alors les gars, du coup j'ai atterri à Believer Beach. Alors vous pouvez voir que ici j'ai une grosse soucoupe et on peut voir que du coup je vais déjà me faire aspirer. Alors les gars, très important, si vous voulez infliger des dégâts près d'une soucoupe aspirante, tout simplement bah là regardez, je vais me faire aspirer tout comme toutes les personnes qu'il y aura sur la map avec moi. Du coup tout simplement va falloir faire des dégâts avec les adversaires qu'il y a autour ou les PNJ ou les animaux, parce que c'est faire des dégâts et ça compte absolument tout, ok. Et pour les nanites extraterrestres les gars, ça comptera une seule fois qu'on se sera fait aspirer et du coup quand on sera à l'intérieur du vaisseau, vous allez pouvoir faire l'expérience des nanites extraterrestres à l'intérieur du coup du vaisseau mère. Voilà, donc on se fait aspirer et vous allez voir que le défi va pouvoir être réalisé juste après. Et voilà, du coup on est à l'intérieur et vous allez voir que dès qu'on va essayer de faire donc la gravité, et bah le défi va se valider, ok. Attention, hop, je laisse un petit peu tourner les gars, et voilà on va se faire TP et du coup le défi va être réalisé. Et voilà, du coup tout simplement là vous allez faire l'expérience de gravité et du coup le défi va se valider tout seul. Alors on n'a pas eu la confirmation que le défi s'est validé, on ne l'a pas eu en haut à gauche, mais pourtant je peux vous montrer le défi, c'est bel et bien terminé. Voilà, donc faire l'expérience de la gravité réduite avec des nanites extraterrestres ou dans le vaisseau mère, et bah tout simplement les gars, voilà le défi est validé et je sais c'est bien fini, ok. Donc encore une fois comme je vous l'ai dit, si vous voulez infliger des dégâts près d'une soucoupe aspirante, bah tout simplement si vous voulez faire le vaisseau mère et du coup infliger des dégâts avec les alliés etc, bah vous pouvez très simplement le faire juste avant du coup de faire ce défi là, ok. Donc enlever des adversaires avec le rayon tracteur d'une soucoupe et voyager dans une soucoupe, pareil c'est deux défis que vous pouvez faire hyper rapidement parce qu'il y a toujours des soucoupes à Believer Beach. Donc voilà, vous pouvez faire 4 défis en 1 les gars et ça très simplement.
Et voilà les potes, du coup la vidéo est terminée. Si elle vous a plu et qu'elle vous a aidé, surtout n'hésitez pas, encore une fois, le code créateur Bokuni dans la boutique, B-O-K-U-N-I. Et sur ce les potes, moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Sur ce, ciao, c'était Icar.